Le titre de mon talk, du coup, c'est « Accueillir des juniors en reconversion, comment éviter l'échec ?» Je me présente, je m'appelle Cindy Liwenge, j'ai 31 ans, je suis développeuse depuis 2 ans. En fait, j'ai fait une reconversion, j'ai fait une formation courte pour accélérer ma reconversion. Des profils comme le mien, vous en voyez de plus en plus, vous les voyez au meet-up, s'ils deviennent vos collègues. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a de plus en plus que ces personnes restent dans le milieu. En fait, il arrive que ces développeurs se découragent et abandonnent. Pour quelles raisons? Déjà, premièrement, parfois on commence à coder et on se rend compte qu'en fait on déteste ça, que c'est ennuyeux. Deuxièmement, il y a un problème qui est l'entrée sur le marché du travail. En fait, il y a beaucoup de boîtes qui disent qu'elles ont envie de recruter des devs en conversion, mais qui en fait publient des annonces disant qu'elles veulent des bacs plus 5. Et du coup, c'est pas facile de trouver un premier emploi et on peut du coup décider d'abandonner. Et la troisième raison, c'est en fait une reconversion qui fonctionne. On adore coder, on trouve une opportunité, mais une fois qu'on intègre une équipe, ben, ça ne se passe pas très bien parce que l'équipe n'est pas prête, l'organisation n'est pas prête. Donc ce soir, j'aimerais discuter avec vous des moyens par lesquels on peut encourager ces développeurs. Ça va être beaucoup plus court, donc je me concentre sur 3 points. Premièrement, garantir l'apprentissage continu, valoriser les compétences précédemment acquises, et favoriser l'évolution professionnelle. L'apprentissage continu, ça concerne beaucoup de développeurs, beaucoup de développeuses. On va parler surtout des personnes qui vont en meet-up ou qui ont envie de progresser techniquement ou professionnellement. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué pour les développeurs en reconversion. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des personnes qui ont fait du coup des formations courtes. Et pendant les formations courtes, en fait, on n'est pas confronté à beaucoup de problèmes à résoudre. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour commencer à travailler quand on n'a pas vraiment appris à résoudre des problèmes, ce qui est ballot parce que c'est notre métier. Alors déjà, il y a des boîtes qui ont décidé d'y mettre les moyens en faisant des espèces de formations internes, bootcamp internes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'OctoSchool, d'OctoTechnologie, ou alors de la Combe du Lion Vert. Oui, ça s'appelle comme ça, c'est la petite sœur de la société qui s'appelle Arola. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Arola ici? Ok, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent OctoTechnologie ici? Ok, bon, c'est un petit peu kiff-kiff. Donc en fait, le but, c'est d'intégrer des personnes de type autodidacte en reconversion et en fait de les former aux standards. Et de cette manière, on accompagne du coup les petits nouveaux et les petites nouvelles dans les premiers pas de la vie de consultant. Le fait est que la plupart des boîtes n'ont pas ces moyens. Du coup, parfois, il faut improviser. Le deuxième point, c'est apprendre à apprendre. En fait, c'est le mantra de la formation que j'ai suivie. Le principe, c'est, en fait, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à l'école. Voilà, moi, quand j'ai commencé ma reconversion, j'avais 29 balais. Donc, ça faisait très, très, très longtemps, au moins une dizaine d'années. Et du coup, il faut définir très vite des méthodes d'apprentissage. En fait, il faut apprendre très vite à se connaître mieux. Et du coup, il faut savoir comment est-ce qu'on peut intégrer cet apprentissage à la vie de tous les jours. Est-ce qu'il est possible, quand on est sur des missions et qu'on a des tâches quand même assez importantes à accomplir, est-ce qu'il est possible d'intégrer cet apprentissage-là? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est important, c'est d'en parler d'entrée de jeu et de ne pas faire comme si les devs en reconversion arrivent tout chaud, sont hyper prêts et n'ont pas besoin de temps. La vérité, c'est que même quand on n'est pas en conversion, on a besoin de temps. J'aimerais parler aussi de l'enthousiasme et de la condescendance. Je m'explique. Dans notre milieu tech ouvert et bienveillant, où tout le monde est accueilli à bras ouverts, tout le monde a sa place, tout le monde s'aime, vous avez remarqué du coup une frilosité envers les développeurs en reconversion. Il suffit d'ouvrir votre compte Twitter et là, vous tombez sur l'avalanche de « ils sont pas assez bons, c'est pas des vrais devs », etc., etc. En tout cas, moi, je le vois, sans doute, parce que je suis les mauvaises personnes, je sais pas. Il faut aussi savoir que cette manifestation de... Enfin, c'est une forme d'insécurité, hein, disons-le. Moi, je l'ai vécu au boulot. C'est très difficile d'aller au boulot et d'être confronté à des gens qui, en apparence, sont hyper contents de vous voir, mais qui, au fond, questionnent votre légitimité. Mais la vérité, c'est qu'on fait tous le même métier, qui est, comme je l'ai dit, résoudre des problèmes, améliorer des performances, faire de l'argent. Donc voilà, du coup, moi j'encourage les développeurs et développeuses pas convaincus à prendre un peu de recul et à se dire qu'il y a peut-être des choses à gagner en recrutant des gens en reconversion. J'ai mis ce super gif de Guilfoyle de Silicon Valley parce qu'il il a un petit peu cette attitude qu'on trouve souvent un petit peu cool. Mais la vérité, c'est que si vous travaillez avec quelqu'un comme ça et si vous étiez en reconversion, vous souffririez beaucoup. On va parler rapidement de la valorisation des compétences précédemment acquises. Les développeurs en reconversion, souvent, ce sont des adultes.
Moi, dans ma promo, il y avait peut-être trois jeunes qui avaient autour de 18, 19, 20 ans. Et tout le reste, c'était des trentenaires en crise qui avaient déjà vécu beaucoup de choses, qui avaient voyagé, etc. Donc, ce sont des gens qui ont déjà acquis une sorte de capital humain, qui ont des compétences professionnelles, qui ont du savoir-être. Du coup, on ne peut pas les considérer comme des pages blanches. On est tenté de leur proposer de faire des side projets en utilisant, du coup, en se disant qu'on va exploiter leurs compétences pour plusieurs raisons. Ça peut être pour contribuer au rayonnement de la boîte. Par exemple, si moi j'avais fait de la communication, on m'aurait sans doute demandé de, je ne sais pas moi, travailler un petit peu avec les gens de la com et puis parler un peu de mon expérience. Alors, ça c'est plutôt valorisant, c'est plutôt cool. On peut mettre à profit son expertise et vivre un petit peu son ancienne vie. Mais le souci là-dedans, c'est que pendant que moi, je vous apporte mes compétences en com, ben, en fait, je code pas. Et en fait, il faut faire attention à ça parce que ça peut creuser le décalage entre les développeurs de profil classique et les développeurs en conversion. Et là, on peut encore se demander, ils sont vraiment dev ou est-ce qu'ils sont à moitié en com ou à moitié dev? À mon avis, les side projets, ça fonctionne si tout le monde fait des side projets. Donc tout le monde se consacre au rayonnement de la boîte en faisant, je sais pas, contribuant à l'open source, etc. Sinon, ça peut fonctionner si tout le monde travaille sur le même side projet. Ça existe, je l'ai vécu. S'il s'agit de faire de la veille techno, ça complique un peu les choses, parce qu'il y a toujours cette question d'apprentissage, de culture, etc. Vous voyez où je veux en venir, il faut faire attention à cette histoire de side projet. Et enfin, je vais vous parler rapidement de l'évolution professionnelle. J'ai mis un premier stop, parce qu'en fait, en tant que développeur, en tant que développeuse, on pense à ce qu'on va faire à l'avenir. Moi, je fais du PHP, je travaille sur des projets en Symfony, mais peut-être que demain, je ferai du Node, je ferai autre chose. Moi, en tant que développeuse en reconversion, je vais avoir envie de poser plein de questions à mes collègues qui sont plutôt seniors. Mais le problème, c'est que les collègues seniors, ben, ils ne sont pas conseillers d'orientation. Donc, vous avez des expériences différentes et c'est hyper cool d'être généreux et d'avoir envie de les partager. Mais la vérité, c'est que parfois, il faut se contenter de parler de son expérience et plutôt orienter vers des personnes plus extérieures, comme les mentors. Il y a des mentors ici? Personne ne fait de mentorat? Oh oui! Très bien. Pour ceux qui ne le savent pas, le mentorat, en fait, c'est la mise en relation entre des développeurs expérimentés et des développeurs moins expérimentés. Comme ça, les moins expérimentés, ils peuvent poser des questions et exposer leurs doutes, surtout, aux développeurs expérimentés. Ça n'a rien à voir avec le parrainage et le marrainage d'entreprise, parce que, comme chacun le sait, le parrainage et le marrainage, c'est l'onboarding, faire le tour du bureau, faire en sorte que ces gens ne s'en aillent pas. Alors que le mentor ou la mentor, elle va juste apporter des pistes pour pouvoir guider cette personne dans son avenir de dev. Je conclurai là-dessus en disant que recruter des devs en reconversion, c'est repenser le projet collectif. En fait, il ne faut pas avoir peur de bousculer ses habitudes. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question, parce qu'en fait, tout le monde bénéficie de ces remises en question. Ce n'est pas parce que vous êtes expérimenté ou que vous avez un profil classique que vous n'avez pas le droit de dire « Franchement, je ne suis pas sûre qu'on doive travailler comme ça, j'ai envie d'apprendre plus, etc. » La vérité, c'est qu'en fait, quand on est dev, qu'on sort en meet-up, qu'on fait de la veille, etc., ben en fait, on a déjà une première ouverture d'esprit et il faut exploiter ça pour amener d'autres personnes et profiter de cette expérience-là. Voilà, j'espère avoir instillé un peu d'ambition en vous. Ce que tu relèves comme écueil vis-à-vis des entreprises qui, malgré tout, embauchent ce genre de profil, qu'elle tient et d'autres, comment tu t'assures que tu n'arrives pas dans ce genre d'endroit, en fait? Moi, déjà, je connais le milieu tech, personnellement. Ça fait longtemps que je suis dans ce milieu-là. Donc, ça fait longtemps que... Même sans être développeuse, j'ai vu ce qu'est ce type. J'ai déjà vu ces questions, ces questionnements-là, en fait. Vous savez, parfois, vous allez en séminaire d'entreprise et vous faites des espèces de formations sur la culture d'entreprise, par exemple. Enfin, moi, je n'ai pas suivi le séminaire, mais j'ai participé aux discussions avant. Moi, je pense qu'en fait, tout se passe au niveau de l'entretien d'embauche. Il faut poser un max de questions. Moi, la dernière fois que j'ai passé un entretien, c'était auprès d'une ESN, la dernière ou avant-dernière fois, et j'ai posé toutes les questions possibles. J'ai dit, l'apprentissage continu, c'est important pour moi, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des formations internes? Est-ce que vous financez les formations? Est-ce qu'il y a d'autres personnes en reconversion? Vous avez quel type de profil, etc., etc. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de poser ces questions-là d'entrée de jeu, parce que c'est bien simple, si vous vous rendez compte que vous allez être le seul dev ou la seule développeuse en reconversion, déjà, c'est un petit peu tendu.
attendu. Ça veut dire que l'ouverture, elle date d'il y a très peu de temps et que peut-être que le travail n'a pas été fait avant. Voilà, donc il faut vraiment se méfier des discours de certaines entreprises. Il faut poser des questions encore et encore et encore. Surtout ne pas avoir peur de les poser. Du coup, est-ce que tu conseillerais à des petites structures de recruter ce type de profil? Parce que là, tu disais, s'il n'y en a pas, c'est que le travail n'a pas été fait, etc. Est-ce que tu penses que c'est adapté justement aux petites structures, des startups ou des boîtes qui sont moins de 10? Oui et non. J'ai commencé par... Alors, je vais vous expliquer, je vais détailler, vous allez comprendre. Alors, j'irai non quand il y a... quand on tombe sur une boîte, il y a un CTO et c'est le premier dev et c'est le seul dev. Ça déjà, c'est compliqué parce qu'il va falloir faire une montée en compétences. Je dirais non s'il y a un peu plus de développeurs, un peu plus de moyens, mais qu'on se rend compte que, en tant que boîte, on prend du recul et on se dit qu'on n'a pas les moyens humains, on n'a pas le temps, tout simplement, on n'a pas l'argent pour faire monter ces personnes en compétences. Donc je pense qu'il faut que les boîtes se regardent dans les yeux et soient honnêtes envers elles-mêmes et se disent je peux pas. Et je dirais oui. Pourquoi ? Parce qu'avoir un dev en conversion, c'est hyper important pour certaines boîtes, pour des questions de culture d'entreprise, encore une fois. Est-ce que vous avez envie d'avoir des devs, entre guillemets, mûrs, qui ont des vies adultes ? Moi, j'ai déjà passé un entretien d'embauche dans une boîte qui m'a dit « Cash, nous, on a plutôt des personnes adultes, on a des gens qui ont des familles, on rembourse les frais de crèche. » qui m'ont dit ça cache et j'ai trouvé ça absolument génial parce qu'au moins, c'est une culture qui est claire, simple et limpide. Je suis en train de me perdre dans ma réponse. Ah oui, et donc oui, pourquoi ? Donc c'est important pour la culture. C'est hyper cool d'avoir un regard frais, un regard neuf. Et puis on peut découvrir des profils absolument sans sas en termes de développement. Il faut rester ouvert. Est-ce que vous avez des conseils sur des bonnes pratiques, disons, sur les systèmes de mentorat ? Alors non, j'ai pas de retour pour l'instant. Mais j'en aurai bientôt. En fait, c'est prévu pour la version longue de mon talk. Quelle différence tu fais entre une culture malsaine vis-à-vis des gens qui se reconvertissent et vis-à-vis des juniors de manière générale ? Les juniors, on ne leur dit pas des choses du genre « t'es devenu dev pour l'argent », par exemple. Ça arrive, vous avez sans doute entendu ça, peut-être que vous l'avez vous-même dit, je ne sais pas. Tout le monde, alors attends, on va être très clair là-dessus. Tout le monde devient dev pour l'argent, d'accord ? Enfin, voilà, je veux dire, quand vous étiez gosse, vous n'êtes pas dit « c'est génial, je vais faire des cours de mécanique à l'école d'ingénieur, j'aurai la gueule de bois, tout va bien se passer ». Non, personne n'a jamais pensé ça. Finalement, on choisit des choses, on va vers ce qu'on aime. Finalement, on va vers ce qu'on aime ou pas, on fait ce qu'on peut, et puis finalement, on accède à cette vie, on écrit des lignes de code pour vivre. Donc, la différence entre une culture saine et une culture malsaine, c'était ça ta question ? Vis-à-vis des développeurs, ah oui, la différence entre ce qu'on voit chez les développeurs juniors en général et les développeurs en conversion. Les développeurs juniors, effectivement, parfois en prennent plein la figure, c'est vrai. Moi, j'ai déjà assisté à des talks où il y avait des speakers dont je ne citerai pas le nom qui ont passé leur temps à dire « Moi, je fais ça, je ne suis pas un junior, mon junior a fait telle chose. » D'ailleurs, il parlait de moi, donc disons-le, voilà. Donc oui, mais je pense qu'il y a la différence avec un cadavre en reconversion. Ce qui est encore plus malsain, c'est que les gens en reconversion, c'est des gens qui ont fait des sacrifices, qui ont pris des risques, qui sont hyper vulnérables, en fait, même s'ils ne le montrent pas, qui sont dans des moments de remise en question de leur vie, en fait, d'eux-mêmes, et qui débarquent dans des boîtes avec des gens qu'ils savent et qui, pourtant, appuient sur le bouton. Donc, je dirais que c'est ça la plus grande différence.